Je vais laisser ma vie sur scène ce jour-là. Ah bah laissez votre vie. Ne nous refaites pas ça, vous les Congolais, là. Je sais. Dialogue.com. Congo ma solo. Congo solo là. .com. Avec Congo dialogue. Congo solo là. Macam ma danger dit. Kito. Congo dialogue. Avez-vous peur du dernier voyage ou du dernier concert? Le dernier concert, je crois que ça sera sur scène où je partirai quoi. Devant. Il y a des moments qui, ça m'arrive sur scène, je vais le dévoiler maintenant, où je sens comme je plane. Comme si je suis en train de planer, quoi. Ouais. Alors ça, peut-être c'est porté par l'énergie du public, peut-être. Peut-être, je sais pas quoi. C'est vraiment, je sais pas comment l'expliquer, quoi. Mais bon, et peut-être un jour je partirai comme ça aussi. Merci beaucoup, Papa Wemba. CongoDialogue.com. Je vais vous donner l'occasion, comme vous le dites si bien, d'adresser un mot à vos fans. Je sais qu'ils sont nombreux à nous suivre ce soir. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire, Kofi Olomide? Et c'est pour eux, le spectacle qu'on va annoncer bientôt. J'aimerais que ce jour-là, tout le monde se retrouve, là, que ce soit une fête africaine à travers ma personne. Moi, je ne serai qu'une espèce d'interface entre cette scène-là et eux. Je vais laisser ma vie sur scène ce jour-là. Ah bah laissez votre vie. Ne nous refaites pas ça, vous les Congolais, là. Je sais, tu vas en venir. Mais c'est une formule, mais les gens m'ont compris. J'espère. Voilà. Ne nous refaites pas ça. Kofi Olomide, élégance. Vous voyez comment ce journaliste a rire et le prix de ne pas faire ça? Pourquoi? Parce qu'il sait comment Papa Wemba disait au revoir. Ces gens ne plaisantent pas du tout, faites très attention. Ne nous refaites pas ça, vous les Congolais, là. Je sais où tu vas en venir. C'est une formule, mais les gens m'ont compris. J'espère. Voilà. Ne nous refaites pas ça. Kofi Olomide. Le dernier concert, je crois que ça sera sur scène où je partirai, quoi. Devant tous les fanatiques. C'est votre souhait, ça. C'est ce que vous souhaitez pour vous. J'ai comme l'impression, parce qu'il y a des moments qui, ça m'arrive sur scène, je vais le dévoiler maintenant, où je sens comme je plane. Comme si je suis en train de planer, quoi. Ouais. Alors ça, c'est ça porté par l'énergie du public, peut-être. Peut-être, je sais pas quoi. C'est vraiment, je sais pas comment l'expliquer, quoi. Mais bon, et peut-être un jour, je partirai comme ça aussi. Merci beaucoup, Papa Wemba. Une interface entre cette scène-là et eux. Je vais laisser ma vie sur scène ce jour-là. Ah bah laissez votre vie. Ne nous refaites pas ça, vous les Congolais, là. Je sais où tu vas en venir. Mais c'est une formule, mais les gens m'ont compris. J'espère. Voilà. Ne nous refaites pas ça. Kofi Olomide. Élégance. Le 3 septembre, il a posté ceci sur son Instagram. Salut. Après 10 ans d'absence, je suis heureux d'annoncer mon retour sur la scène internationale en 2020 dans le nouveau U Arena à Paris-Nanterre. Les billets et la date de l'événement vous seront bientôt communiqués. On va voir. Priez pour Kofi Olomide pour sa préparation de concert énorme qu'il n'a pas encore CongoDialogue.com. Or confirmé la date. Mais sera en 2020. You know CongoDialogue.com.